Live exceptionnel ce vendredi 18 novembre sur YouTube de 18h à 20h. Pimous et moi pour répondre à toutes vos questions en direct. Des surprises et peut-être bien des programmes à gagner. Activez la cloche des notifications pour avoir une chance de remporter un de nos programmes. Et maintenant, un petit like et place à la vidéo. Transformation de nos abonnés. Eh gros, j'ai reçu une transformation d'un abonné là. Eh ben à quoi? Mais il a au moins pris 12 kilos de muscle là, c'est plus même 30 kilos de muscle. Il dit que ça fait en 6 mois en plus. C'est quoi, c'est impossible. Mais je te jure, elle est incroyable. Impossible. Tu me fais voir ou j'ai pas le droit de voir? Ah, excuse. Y'a pas un problème, y'a rien qui te choque. Bah il est monstrueux. Y'a rien qui te choque. Tu dis pas il est tombé dans la marmite du V ou un truc comme ça lui? Bah, franchement, c'est possible. Ok, salut les guerriers. Bienvenue sur Fitness Fusion. Aujourd'hui, on va parler de la transformation de nos abonnés. On vous a préparé 5 transformations, on a concocté ça aux petits oignons. Vous savez, ça fait un an qu'on fait du coaching en ligne grâce à Fitness Fusion. Et aujourd'hui, on va vous montrer les résultats. Que la vente de produits, ça paye. La vente des programmes, la vente des programmes. Ah, vous savez qu'on a sorti... Ouais, c'est presque... C'est des business alternatifs, c'est pour ça. On a sorti des nouveaux programmes, là. D'ailleurs, merci à tous ceux qui nous soutiennent et qui ont pris le leur. Peu importe que vous ayez un point fort ci, un point fort ça. Normalement, ça convient absolument tout le monde. Ça part de débutant à expert. Vous avez absolument tout. Une ligne directive à... Directrice ? Je suis immigré. Une ligne directrice à suivre pour partir de 0 à 100% de chargement. Donc, les gars qu'on va vous montrer, là, ils ont entamé leur chargement, donc ils sont en cours de chargement. Et il y en a pas mal qui nous demandent « Ouais, mais moi, à combien de pourcents je suis ?» tout ça. Donc là, par rapport aux photos qu'on va vous montrer, à la fin de leur transformation, on vous dira à combien de pourcentage on les estime. Parce que chaque programme, on peut les acheter individuellement. Donc si moi, aujourd'hui, je suis à 40%, ça sert à rien que je prenne le full body qui commence à 0% de chargement. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc les gars, si c'est OK pour vous... Les transformations, on les a récupérées sur le Discord. Le lien est en description. N'hésitez pas à venir. Les gens, ils se motivent entre eux. On passe de temps en temps. Vous postez vos transformations, des photos de vos couilles. Il y a tout ce que vous voulez. Interdit, il y a ça. Tout, il y a tout. On va avoir des problèmes, hein, parce qu'il y a des mineurs. Yeah. Donc on n'oublie pas le petit like et on passe tout de suite à la première transformation. Donc les gars, ici on a Tush, il est très sec de base. Son objectif c'était la prise de masse et franchement on peut dire que c'est réussi. Il a pris 12 kilos en 3 ans. Bon forcément il a pris un peu de gras, mais tout ça, ça reste très propre. On peut aussi souligner le bon travail qui a été fait au niveau des jambes. Il a pris un galbe énorme et il ressort de sa transformation avec deux gros jambons. Donc voilà les gars, vous avez vu la transformation. Petite anecdote à son sujet, c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi qui l'ai inventé. Il a dit je fais de la muscu pour baiser des milfs. Encore un. Voilà. Il a dit il aime bien les femmes d'âge mature. Il adore ça. Ouais, il a bien pris. Hein. Lui, vraiment je suis sûr que tu l'as dit dans la rue, il fait impressionnant. Il est énorme. Il me fait penser à un Jean Honche un peu physiquement, tu vois. Donc à combien de pourcents est-ce que tu l'estimerais ce monsieur-là? Alors lui, les 40% de chargement, ils sont déjà atteints. Largement. C'est pour ça, par rapport à son emploi du temps, je l'orienterai sur le split ou le PPL. Ouais, je suis d'accord avec toi. Selon ce qu'il préfère, tu vois. Ok, donc 60%. Ouais, je dirais il est dans ses eaux-là, entre 60 et 70. Donc le... je dirais le PPL, ça serait mieux quand même pour lui. Je pense que, là, ouais, pour suivre notre logique à nous, ok, ouais. Même, je pense que c'est mieux, il va avoir besoin de faire beaucoup de séances. Il peut encaisser, il est costaud, il n'y a pas de souci, il a des bonnes cuisses, donc deux fois les jambes par semaine, ça lui fera pas peur. Maintenant, on passe à la deuxième transformation. Ok, donc pour la transformation numéro 2, on a Soren ici. Il a seulement 11 mois de salle. On voit que son objectif, c'était la prise de masse. Il part d'une base, il était vraiment maigre. Il était quand même assez sec, du coup, ça lui donne un avantage pour rester sec. Sa prise de masse, elle est réussie. On voit même, limite, il est un peu plus sec qu'avant sa prise de masse. On voit super bien les abdos. Franchement, c'est très, très, très propre. Allez, donc là, les gars, pour la petite anecdote, lui, on l'a déjà croisé. Vous l'avez déjà vu en vidéo. C'était sur la vidéo QNT. Ouais, où il doit mettre sa main sur un baril. Voilà, le dernier qui lâchait sa main du colis QNT, il remportait 400 euros de complément alimentaire. Donc, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Il est dedans. Vous pouvez voir qu'il a un bon physique. On l'a vu et dans la vraie vie, il est plus impressionnant que sur la photo qu'on a mis. Exactement. Et ce qui nous a choqué le plus, c'était ses pecs. Ouais. Vous voyez, il y a des belles insertions. Donc, lui, il peut encore progresser. Hein. Il est au tout début de sa transformation. Sachant que je me rappelle, il avait un PR à 130 en 1 mois de muscu. En 11 mois de musculation, c'est monstrueux. Il y a un gros potentiel. C'est énorme. Et du coup, vu qu'on le connaît, moi je le ferai partir du split pour vraiment qu'il suive la logique de nos programmes pour finir le split carrément. Même si là, il est déjà à 50% au niveau du chargement, il pourrait repartir sur le split pour vraiment avoir un split bien corsé, avancé comme celui qu'on vend. Tu vois. Comme ça, il serait prêt pour le PPL. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et du coup, on passe à la transformation numéro 3.
Odop, c'est l'exemple parfait pour montrer qu'en 6 mois, on peut littéralement changer de corps. Lui, il a pris 7 kilos de masse à 17 ans. Donc gérer les cours et l'entraînement, les gars, c'est faisable. Gérer la diète et la cantine scolaire dégueulasse, c'est faisable. Il s'est pas trouvé d'excuses et les résultats, ben, ils sont là. Et t'as pas une petite anecdote, lui? Non, il est jeune. Je m'en bats les couilles qu'il est jeune. Lui, il a dit, il voulait tambouriner des profs de l'école. Il a dit, il est amoureux de sa prof de français, il veut lui casser son cul. Bon, on va le mettre dans les problèmes. Vous avez bien compris, on rajoute. Hein, rigole, mais voilà, sachez qu'à 16 ans, vous avez ce physique-là, vous doutez bien qu'au lycée, ça baise. Ça baise, on va pas se mentir. Surtout, vous avez pas de problème, voilà. Vous impressionnez que ce soit les filles ou les gars. Les gars, on passe à la 4e transformation et là, franchement, chapeau, vous allez voir le travail qui a été fait. Transformation 4, c'est parti. Ok, donc ici on a Paul, 16 ans. Vous voyez sur les photos, il part en octobre 2020 avec une base super grasse et il arrive en 2022, il est mince, sec, on voit un peu les abdominaux. Franchement, c'est un exemple à suivre pour toutes les personnes qui veulent perdre du poids. Il a fait une transformation incroyable, ça a dû demander des sacrifices et des efforts de fou, un mental de fou. Surtout à cet âge-là où on aime bien sortir. Incroyable. Il y a du mérite de ouf. Franchement, transformation de fou furieux. C'est plus, pour moi, c'est plus dur de perdre du poids que de prendre du poids. Pour moi, c'est l'inverse. Mais à son âge, franchement, c'est quelque chose d'incroyable. Parce qu'à son âge, c'est sa mère qui doit cuisiner. Tu vois, c'est pas lui qui doit se préparer ses repas. Faut se motiver à aller à la salle quand t'as eu les cours toute la journée. Les potes qui mangent au kebab à midi, toi, t'as pas le droit. Et il a réussi à le faire, les gars. Franchement, c'est très mental et chapeau à lui. Moi, je sais, quand j'étais au lycée en seconde, j'ai fait la même chose. Je suis parti 3 mois, je suis revenu avec 18 kilos en moins et ça demande vraiment des gros sacrifices. Et il n'y a personne qui t'a reconnu quand t'es revenu? Quand je suis revenu, les gens ils étaient choqués. Même quand je suis revenu au break, il m'a dit, j'ai passé quoi, t'as fait Ramadan ou... Donc avant de commencer, il était à 0% de chargement. Ouais. Aujourd'hui, il pourrait très bien passer sur 20, un half. 20-30, hein, ouais. Ouais, il sera à 20-30% pour démarrer le half body évolution 2, il serait très bien. Les gars, on passe à la dernière transformation. On l'a pas mis là pour rien. Pour nous, c'est la meilleure, la plus belle. C'est incroyable. Celle qui va vous inspirer et qui va peut-être vous mettre le doute, c'est parti. Donc là, on a Tom SBD qui doit faire de sacrés entraînements au vu de son nom. SBD, les gars, lui, il envoie du lourd à la salle et ça se voit au niveau de son physique. Il a le potentiel d'atteindre les 100% de chargement, j'en suis sûr. Regardez sa base avant de démarrer la musculation, il était très sec avec des superbes insertions. Et là, on le retrouve à droite 3 ans plus tard à 95 kg alors qu'il en faisait 69 de base. Et il a un super rendu. Avouez les gars, il vous met un peu le doute quand même. Lui concrètement, il s'assoit à côté de nous, il est tout aussi, voire plus musclé que nous concrètement. Parce qu'il est plus grand, il fait 95 kilos, c'est monstrueux. Ouais, je crois qu'il est beaucoup plus musclé que toi. Après moi, je sais pas s'il est plus musclé que moi, mais toi c'est... Ouais, je pense. Moi je bench son PR en série, je m'en bats les couilles. Donc pourquoi tu dis qu'il est plus musclé que toi? Je m'en bats les couilles, je bench son PR en série. Il peut s'asseoir, mais il se met là. Non, en vrai c'est incroyable les gars. Très gros physique. En 3 ans de musculation, il y a un sacré physique. Et lui, ouais, il a le potentiel d'atteindre les 100% de chargement, d'atteindre notre niveau d'être le 1%. Donc si vous êtes dans ce cas-là, vous avez vu sa base, vous pouvez très bien y arriver, vous pouvez atteindre un très gros niveau. Mais pour ça, il leur faut un plan. Et Pumus, on le trouve sur quoi? Plan d'attaque, ça se passe sur fitnessfusion.fr. Nous, on vous a préparé 6 programmes. Si vous commencez à 0%, vous êtes débutant en musculation, vous prenez le premier programme. Et chaque programme est défini avec une durée limite. Une fois que vous l'avez atteinte, vous pouvez passer au suivant. Et si vous voulez garder simplement un programme à vie, c'est possible aussi. Ouais, si vous aimez le physique dans lequel vous êtes, vous pouvez garder le même programme, il n'y a aucun problème. Si vous voulez pas être trop musclé, vous vous arrêtez au half ou machin, mais on en veut toujours plus quand on fait de la muscu. Donc voilà, vous avez vu, il y a eu de la prise de masse, un mec qui a perdu beaucoup de poids, vous avez absolument tout, vous pouvez prendre n'importe lequel d'entre eux comme exemple si vous avez une base similaire. Si eux, ils ont été capables de le faire, il n'y a aucune raison que vous puissiez pas le faire concrètement. Donc voilà, mets un like à cette vidéo, mets un commentaire, je vais le faire. Et éteins YouTube, maintenant c'est bon, t'as assez de watch time. C'était Fitness Fusion, force et fun.